être la personne que je suis déjà. Être la personne que je suis déjà. Être la personne que je suis déjà. 1. Clarifier qui je suis, savoir reconnaître les signes pour le 2. 1. Clarifier qui je suis. Clarifier qui je suis. Qui suis-je? Mais what? Qui suis-je? Bon, être la personne que je suis déjà. Ok. 1. Clarifier qui je suis. 2. Savoir reconnaître les signes. Avoir les pensées en adéquation avec le higher self. 2. Savoir reconnaître les signes. Bon, être la personne que je suis déjà. Number 1. Clarifier qui je suis. Qui suis-je? De savoir reconnaître les signes. Les signes. 3. Avoir les pensées en adéquation avec le higher self. Oh, suprême moi. Ah, on a un suprême moi. Ah, mais déjà, je ne sais pas qui je suis. En plus, on a un suprême moi. Au bout de la flûte. Bomba 4. Avoir une attitude cohérente avec ce qu'il y a dessus, ci-dessus, ce qu'on vient de dire, en fait. Bon, un petit bonhomme qui fait un clin d'œil. Comme ça. Voilà. Bon, bah 5, se créer un environnement sain et sain. Oh, mais c'est trop bien ça, sain et sain. Ah, mais c'est peut-être pour ça qu'on a une paire de seins. J'allais dire deux paires, c'est un peu couillon. Une paire, déjà, c'est bien. Bon, bah voilà. Peut-être qu'en fait, c'est pour des choses plus nobles. Qui sait? Ah, bah on sait jamais, hein. Peut-être qu'il y a une raison plus sublime derrière tout ça, hein. Bon, alors, être la personne que je suis déjà. Non, mais super, ok. 1. Clarifier qui je suis. Ah oui, d'accord. 2. Savoir reconnaître les signes. Bon, quels signes? On ne sait pas encore. Justement, c'est ça le problème. Il faut savoir reconnaître. Mais comment? That is the question. Bon, voilà. 3. Avoir les pensées en adéquation avec le higher self. Donc, le sublime moi, le truc qui est plus haut, apparemment, un truc supérieur. Oh, mais pour qui se prend celui-là supérieur? Mais oh. Ok, bon. 4. Avoir une attitude cohérente avec ce qui est ce qu'on vient de dire. Clin d'œil. Voilà. 5. Se créer un environnement sain et sain. Oh, très bien. 6. Avoir une communication qui suit le reste. Équilibre. Oh, équilibre. 7. Quelles compétences ai-je à acquérir? Faut attendre que ça tombe du ciel. En général, il faut se connecter. Tu te dis, mais quelle compétence? Bon, il faut articuler. Hein. Bon, alors du coup, tu gères ton truc. C'est sûr que si tu bafouilles, c'est un peu chiant. Il faut que ça soit bien clair. Donc du coup, c'est 7. Bon, tu te concentres. Tu respires. Oui. Et là, tu fais, mais quelle compétence ai-je à acquérir? Soit t'articules bien pour que ça soit clair. Sinon, si c'est flou, ça embrouille encore plus les signes, quoi. Donc, quelles compétences ai-je à acquérir? Mais déjà, il faut que tu aies acquis le fait de reconnaître les signes. Oh, mais c'est chiant. Ah, oh, c'est chiant. Bon, 8. Se créer de sublimes inspirations pour s'y appuyer. J'ai mis entre parenthèses épaulées. Ouais, pour qu'on comprenne bien. Enfin, surtout pour que je comprenne bien pour moi-même. Au départ, c'était ça. Donc, je vous le partage, voilà, faites pareil si vous voulez. Il faut toujours bien se comprendre, parce que quand on relit et qu'on ne comprend pas ce qu'on a voulu dire, c'est un peu couillon. Bon, voilà. Bon, à la fin, il faut toujours se congratuler. Alors, j'ai fait « Yes, girl !» Bon, j'ai fait mes petits dessins et tout. Vous faites ce que vous voulez, hein. Libre cours à la créativité. Donc, petit briefing. 5. Se créer un environnement sain et sain. 4. Avoir une attitude cohérente avec. 6. Avoir une communication qui suit le reste. Équilibre. 8. Se créer de sublimes inspirations pour s'y appuyer, épauler. 7. Mais quelles compétences ai-je à acquérir? Yes, girl. C'est chouette. Bon, alors, essayons de faire un mixage avec ça. Donc, 1. Clarifier qui je suis. 8. Se créer de sublimes inspirations pour s'y appuyer. Bon. Ça veut dire quoi? Ok, bon, on va essayer. 4. Avoir une attitude cohérente avec.
compte tout ce qu'on a dit précédemment, c'est quelle compétence déjà ai-je à acquérir? Voilà, pareil, il faut articuler. Quelle compétence ai-je à acquérir? Et là, il faut savoir écouter. Hein, parce que sinon, si tu poses la question et que tu ne sais pas écouter, c'est un peu galère, quoi. Voilà. Essayons ça. Savoir reconnaître les signes de... on va mettre quoi? 3. Avoir les pensées en adéquation avec le higher self. Ouais. Ok. Yes, girl. Super. On ne sait pas pourquoi il est sorti, celui-là. Mais j'avais besoin. Voilà, bon. Être la personne que je suis déjà. Être la personne que je suis déjà. Être la personne que je suis déjà. Ouais. Oh, mais c'est chouette alors. En fait, je suis déjà parfaite. Bah oui. En fait, ah, mais c'est ça, en fait, le truc. Ah, mais d'accord. Être la personne que je suis déjà. Mais ça veut dire que je suis déjà la personne que je suis. Oula. Ok. Donc, bon, si je comprends bien, je suis parfaite, alors. J'ai pas besoin de chercher. Mais alors, pourquoi je cherche quelque chose que je n'ai pas besoin de chercher? Moi, quel superfuge. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ça perd l'hypopète. Qu'est-ce qu'on se tracasse la tête, en fait? Ah, mais franchement, le délire, quoi. N'importe quoi. Bon, super. 5. Se créer un environnement sain et sain. Sain et sain. S-A-I-N-T et S-A-I-N. Ok. Ok. Bon, clarifier qui je suis, le one. 3. Avoir les pensées en adéquation avec le higher self x 7. Quelles compétences ai-je à acquérir? Oh, bah, flûte. Quelles compétences, quoi? Mais alors, si je cherche des compétences alors que je suis déjà parfaite, c'est quoi ce beans? C'est pas cohérent, ça. Ah si? Pourquoi? Ah bon, c'est cohérent, ça? Mais comment on sait si c'est cohérent? Oh. Flûte. 6. Avoir une communication qui suit le reste. Équilibre. 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 Ah, d'accord, équilibre. Voir les pensées en adéquation avec le higher self, ça c'est le 3. Voir les pensées en adéquation avec le higher self, 3. Yes, girl. Ok. Super. Oui, pourquoi pas. Bon. 6. Avoir une communication qui suit le reste équilibre. 5. Se créer un environnement sain et sain. Ah, mais c'est marrant, ils sont deux. Ah, mais c'est les twins. Oh, twins. Non, comment on dit? The twin ou... The twin, the twins. One twin. Comment on dit une paire en anglais? Je sais pas. On dit des jumeaux, une paire. Des jumeaux ou des jumelles. Je sais pas. Je ne sais pas, un duo. Nous, on dirait plutôt un duo. Mon père. Ah, mais ça, c'est vrai que c'est ambigu, ça, hein, quand même, hein, flûte. On dit une paire ou... Ah ben non, franchement, hein, parce que si on commence à prendre les personnes pour des objets, non, mais c'est quand même embêtant, hein, non, mais il faut faire attention. Hein. Vraiment, il hein, faut faire attention à la communication, quand même. Hein. Non, mais ça peut porter à confusion, hein, ça peut faire de gros quiproquos. C'est embêtant, les quiproquos. Vraiment, ça fout le beans. On n'a pas besoin de ça, équilibre. Ah, équilibre, c'est peut-être ça, en fait. C'est que c'est tranquillou, on s'entend bien. On n'a pas besoin de foutre le beans, non. Non, mais il faut faire attention. C'est vrai, c'est quoi le beans, en fait? Bon, d'accord, j'ai trop loin, là. Je me calme. Ok, bon, être la personne que je suis déjà. Donc, 1. Clarifier qui je suis. Mais comment on clarifie? Vous êtes mignon avec vos mots, là. Clarifier, ça veut dire quoi? Mais zut! Vrai ça, clarifier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un mot, clarifier, ça veut tout et rien dire, non, flûte. 2. Savoir reconnaître les signes, mais ils sont mignons. Savoir les signes de quoi? Les signes, ok. 3. Avoir les pensées en adéquation avec le higher self. Bon, déjà, d'un coup, ils ont voulu mettre un mot anglais, quoi. Mais pourquoi? Ça y est. Ah. Ok, bon. 4. Avoir une attitude cohérente avec.
Ok, bon déjà le avec sous-entend qu'on s'entend bien. Oui. Oui, on s'entend très très bien, hein. 5. Se créer un environnement sain et sain. 6. Avoir une communication qui suit le reste. Oui, équilibre. 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 7. Quelles compétences ai-je à acquérir? 7. 7. Pourquoi d'un coup je le dis en anglais lui aussi, n'importe quoi. 7. Quelles compétences ai-je à acquérir? Mais 8. C'est quoi, c'est auto? Ah, je crois que je me suis trompée de langue là. Se créer de sublimes inspirations pour s'y appuyer, épauler. Ok. Yes, girl. Oui, yes, girl. Oula, je m'envole là. Non, mais ça va pas. C'est n'importe quoi. Hein. Non, mais vraiment, on est d'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce bins, quoi? Non, mais voilà, encore. Bon. Donc, bonbon. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah! Ah, les flûtes. Ah, mais ça, franchement. Ah, ça pour de la surprise, c'est génial, hein? Bon. Alors, on va commencer par quoi? Yes, girl. 8. Se créer de sublimes inspirations pour s'y appuyer. Épauler. Épauler. Tiens, j'ai tes épaules. Oui, d'accord, 7. Quelles compétences ai-je à acquérir? Si, savoir une communication qui suit le reste. Équilibre. Pam, 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 pam. Poum. Pipi, pipi, pipi. Et le 5, et le 5, et le 5. C'est quoi? Se créer un environnement sain et sain. Vivi, vivi, vivi. 3, 3, 3, 3, 3. Avoir les pensées en adéquation avec le higher self. Yeah. On y croit à fond. Et oui. De savoir reconnaître les signes, les signes, les signes. Faut savoir écouter, rappelez-vous. Des signes, savoir écouter. Vivi, vivi. Vivi, savoir reconnaître les signes, savoir écouter. Oui. Et pour savoir écouter, il faut déjà un très bon environnement. Parce que s'il y en a déjà qui vous saturent les oreilles de n'importe quoi, vous pouvez plus écouter ce qu'il y a de beau. Bah, vous êtes déjà rempli de noir. Comment vous voulez faire? Là, vous êtes saturé, vous avez la marée noire, là. Comment vous voulez faire? C'est plus possible, là. Vous êtes enlisé, là. Et vous avez les meilleures pensées du monde. Bah, vous êtes enlisé, vous faites comment? Vous pouvez plus rien faire. Vous êtes foutu. À moins d'avoir un miracle qui arrive. Et là, d'un coup, qu'il y ait des super êtres divins qui font, bon, allez, Frangine, d'accord, j'arrive. Mais t'as intérêt d'écouter après. Hein. C'est ça, en fait. Non, sérieux. À savoir, ça c'est un bon conseil pour reconnaître les signes. Le divin ne fait jamais de chantage. Jamais. Et le mot jamais existe bien chez le divin. Il n'y a jamais, jamais. Il n'y a pas de mais si que si, peut-être que un non, quand c'est jamais, c'est jamais. Donc déjà, ça c'est super chouette pour aider pour reconnaître les signes. Si vous avez une sorte de chantage, ouh là, vous dites salut, bye bye, je te fais des poutous. Voilà, ciao ciao, je t'aime. Voilà, vous faites la bonne franquette, hein, parce que sinon, ça vénère. Hein. Alors, faut y aller tranquillou. Voilà. Donc, voilà. 6. Avoir une communication qui suit le reste. Équilibre. Oh, équilibre, j'adore. 7. Quelles compétences ai-je à acquérir? C'est quoi acquérir? Si je suis déjà parfaite, pourquoi j'ai des trucs à acquérir? 8. Se créer de sublimes inspirations pour s'y appuyer, épauler. On s'épaule, les amis. Oh, j'adore ça. Oh mon Dieu. Bah putain, il y a ce gars. Je kiffe. Être la personne que je suis déjà. Ouais. Vous pouvez mettre des tonnes, c'est génial. J'adore. Finesse. Vous voyez tout de suite là. Oh, c'est génial. Et one est clarifié qui je suis. Ah là là là. Comment on fait? On ne sait pas. Bah là là. Très bien. Déjà, rien que de poser la petite suggestion dans sa tête, ça se fait tout seul normalement. Et après, on a juste à écouter. Bon, ça c'est en théorie. Hein. Après, dans la pratique, faut pratiquer. Voilà. Pour 2, savoir reconnaître les signes.
Voilà. 3, avoir les pensées en adéquation avec le higher self. 4, avoir une attitude cohérente avec, clin d'œil. 5, se créer un environnement sain et sain. Oui, oui, oui. 6, avoir une communication qui suit le reste équilibre. Oui, 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 oui. 7. Et oui, le 7, spiritualité, oui, 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 oui. Et le spirituel, quelle compétence ai-je à acquérir? Ah ben là, faut être Bouddha. Voilà, en fait, il faut déjà être éveillé pour répondre à ça, quoi. Quelle compétence ai-je à acquérir? Mais nada, j'en sais rien, moi. Bon, apparemment, si on sait écouter, ça tombe du ciel. Mais bon, ça, c'est encore compliqué, on n'a pas bien pratiqué. Oh là là, on va pas voir la réponse tout de suite, hein. Ou alors, 8, se créer de sublimes inspirations pour s'y appuyer, épauler. Mais épauler par qui, en fait? Ben, c'est vrai, ça. Bon, yes, girl. Ok, bon, on y croit, ça donne le moral quand on se dit, bon, yes, girl. Allez, t'inquiète, ça va aller. Voilà. Bon. Ben voilà, les amis, je vous aime.